Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h30, alors on va commencer. Merci d'être là cet après-midi, samedi après-midi. Donc, merci d'être resté pour cette table ronde consacrée au développement durable. Un grand merci à l'ABF également d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Je suis Johanna Wazani, je suis chargée de mission dispositifs territoriaux et aménagement du territoire au ministère de la Culture et j'animerai cette table ronde aujourd'hui. Je suis entourée de Jean-Michel Taubelaine, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, docteur en sciences de gestion, enseignant à l'École du Louvre et directeur de l'Institut d'études et de recherche Options Culture. À ma gauche, Joachim Schopfel, enseignant-chercheur à l'Université de Lille, qui a travaillé dans diverses institutions, qui a notamment été ingénieur documentaliste et responsable des ressources documentaires à l'Institut de l'information scientifique et technique, et dont les projets de recherche portent sur la communication scientifique et les services et dispositifs de l'IST. Et enfin, Anne-Sophie Rédy, directrice de la médiathèque départementale de l'Aube, qui travaille dans le domaine de la lecture publique depuis plus de 20 ans, et dans la région, et je me réjouis que nous puissions avoir quelqu'un de la région à cette table ronde, et qui dirige depuis maintenant 4 ans la médiathèque départementale de l'Aube. Donc, nous allons aujourd'hui parler du développement durable. Vous l'avez sans doute constaté, il y a une multiplication des actions en lien entre le développement durable et les bibliothèques. Et même si la définition du développement durable reste discutable et discutée, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu, elle a l'avantage d'offrir un cadre conceptuel qui a été discuté à une échelle internationale, notamment par l'ONU dans le cadre des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030, et un cadre qui est de plus en plus mobilisé à la fois dans la sphère médiatique et dans la sphère des bibliothèques. Alors, il y a beaucoup d'actions qui se développent. On pourrait parler des actions de médias. Enfin, voilà, vraiment, ça peut concerner toutes les structures de la bibliothèque en termes d'organisation, en termes de médiation, en termes de collection, en termes d'ancrage territorial. Et on va essayer d'aborder plusieurs de ces points au cours des interventions. L'idée, c'est de faire de cette séance un dialogue entre des acteurs de terrain, entre des retours d'expérience de terrain. Donc, Anne-Sophie nous parlera notamment de ce qui a été mené à l'échelon départemental avec les bibliothèques du réseau. Joachim nous présentera plus spécifiquement le cadre que propose l'IFLA dans le cadre d'un concours de bibliothèques. On verra si elles peuvent être exemplaires ou non pour toutes et tous. Et enfin, nous avons décidé de compléter cet état de lieu par une réflexion un petit peu plus méthodologique sur les outils de prospective et la façon dont ils peuvent aider les professionnels que vous êtes à s'adapter aux crises et à se poser dans un cadre réflexif par rapport aux défis qui nous attendent. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants, simplement pour vous dire comment on a imaginé la structure des échanges. Donc, il va y avoir 15 minutes de présentation de chacun des intervenants. Ensuite, on ouvrira à quelques questions. Et puis, on reprendra une deuxième partie un petit peu plus courte, un peu plus prospective, justement, pour voir un petit peu, toujours dans une dynamique d'échange avec vous, quelles seraient les idées que nos intervenants voudraient partager avec vous sur ce qu'il pourrait être intéressant de faire au cours des prochains mois ou années. Voilà, je cède tout de suite la parole à Joachim. Merci pour l'invitation, merci pour pouvoir partager avec vous cette thématique. J'aime ce que vous avez dit, que le développement durable est un cadre. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'avec des collègues, j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, je suis ancien directeur de bibliothèque, mais depuis 14 ans maintenant, je suis retourné à l'université pour enseigner sciences de l'information et notamment former des bibliothécaires, des documentalistes. Et un de mes cours porte sur l'évaluation et le marketing de ces services-là. Et tout simplement, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à chercher un cadre conceptuel, exactement comme vous dites, un cadre conceptuel pour le marketing, le management des bibliothèques et des services de documentation. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai regardé du côté des entreprises et des administrations. Et je suis tombé immédiatement là,
sur un concept qui s'est développé depuis les années 90, c'est que la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qui va se développer, qui va arriver via les collectivités, via les administrations, y compris les administrations centrales, qui à l'époque commençaient à se développer déjà dans d'autres pays, moins en France. Et donc, on a, de ce que ça fait les profs de fac, donc on a écrit un bouquin et on a commencé à écrire des articles. Et puis, il y a eu ces dernières années, entre autres, un dossier dans la revue de l'ADBS, un dossier dans la revue de l'ABF, un autre dossier, comme je suis à Lille, donc on a toujours un tout petit pied aussi de l'autre côté de la frontière, donc l'équivalent de l'ABF en Belgique. Donc eux aussi, ils ont fait un dossier sur le développement durable dans les bibliothèques. Et je constate effectivement, peut-être notre livre était un peu trop tôt, mais que ça devient le sujet qu'on a imaginé il y a une douzaine d'années. C'est comme un cadre conceptuel pour développer, pour discuter, pour imaginer des pistes de développement. Et ça, c'est la raison pour ce que je vais dire là. Donc, à un moment donné, puisque peut-être vous avez déjà compris avec mon accent, je ne suis pas français, je viens d'Allemagne, j'ai été contacté par des collègues de l'IFLA en Allemagne qui mettaient en place une section sur les bibliothèques vertes, développement durable. Et puis, ils avaient imaginé un prix justement dont je vais parler. Et la raison pour en parler, c'est justement, depuis quelques années, au sein de l'IFLA, du coup, il y a un comité des bibliothécaires, mais aussi des gens comme moi, c'est que des scientifiques, qui reçoivent tous les ans des dizaines de candidatures et qui discutent des critères, mais aussi des dossiers. Et c'est justement cette discussion et l'état actuel de cette réflexion au sein de l'IFLA que je vais présenter, les critères de ce prix-là. Donc vous le voyez, la IFLA Green Library Award, qui va être décerné dans quelques semaines. Mais j'ai dû jurer, parce que je sais. Donc, ça, c'est la question, vous pouvez la poser, mais je ne répondrai pas. Donc, le cadre, vous avez dit que ce n'est pas évident de définir le développement durable. Effectivement, il y a un nombre important d'études qui ont mené cette question-là. Donc, du coup, ce que vous voyez là, c'est un petit peu la définition fondamentale, le point de départ, un rapport pour les Nations Unies. Donc vous voyez, ce n'est pas récent. Développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et ce qui est important, et on va le retrouver dans le prix, ce n'est pas seulement l'écologie, c'est l'écologie, mais aussi le social, l'économie, la culture, c'est-à-dire que c'est de considérer la question de l'avenir des sociétés comme un système et ne pas mener des actions isolées. De toute manière, on sait très bien que ça ne marchera pas. Donc, les objectifs de l'IFLA de cette section, l'abréviation c'est ENSULIP, Environment, Sustainability and Libraries. Les objectifs de l'IFLA à part d'avoir une section pour discuter de ces questions-là au niveau international, c'est de récompenser des bibliothèques ou des projets de bibliothèques qui communiquent le mieux leurs engagements en faveur de la durabilité environnementale. Et puis, il y a une question de prise de connaissance et un aspect, disons, comme ils disent, advocacy, promotion, communication, soutien politique par rapport à des bibliothèques, des établissements qui s'intéressent à un certain nombre de choses, qui réalisent ou qui ont des projets dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, je vais aller vite parce que on va les voir tout de suite. Donc, les critères d'évaluation, il y a 5 groupes.
des critères généraux. Je vais les présenter en vitesse. Et la question de durabilité, j'aime pas ce mot-là, mais ça a été traduit comme ça sur le site de l'IFLA. Durabilité physique, durabilité économique, peut-être c'est plutôt je dirais, pérennité, qu'importe. Développement durable, qualitatif et social et limitation de l'impact environnemental. Ce qui est important, je suis bien placé pour savoir, puisque bah, depuis des années je suis dans ce jury-là, les critères sont évolutifs, ont évolué depuis le début en fonction des candidatures, en fonction aussi de prise de conscience sur un certain nombre de choses, et puis ben, ils vont continuer. On a encore eu une discussion ces derniers mois au sein de ce jury-là, et on sait déjà que l'année prochaine, ben, va y avoir une autre manière de mettre en avant certaines bibliothèques. Justement, vous allez voir des exemples que j'ai mis sur les slides, donc ben, il y a des exemples complètement différents, et on ne peut pas mettre dans le... sur le même terrain, disons, de compétition, enfin, compétition entre guillemets, une bibliothèque à Singapour ou une bibliothèque à Boston avec une bibliothèque quelque part en Colombie, au Pérou. Donc, ben, les moyens ne sont pas les mêmes. Les modèles, c'est sûr que sont à Singapour et ici à Boston, mais vous voyez bien que ben, pour construire quelque chose comme ça, ben, il faut avoir les ressources et les moyens. Bon, bref. Les critères généraux pour ces dossiers, je peux aller très vite, parce que ben, c'est dans tous les appels à projets du même genre, des prix, c'est la qualité du dossier, mais aussi le périmètre par rapport aux objectifs des Nations Unies, l'importance du travail, le caractère innovant, mais aussi tous les aspects donc, de communication, engagement local, c'est que, bah, intégration au niveau local et le marketing. Donc, c'est clairement dit, donc, bah, on veut voir, au sein de l'IFLA, on veut voir pas seulement des bonnes réalisations, mais c'est des réalisations qui font parler pour avoir donc, bah, un effet plus important. Donc, durabilité physique. C'est probablement quelque chose à quoi on s'attend avant tout quand on parle de bibliothèque verte, c'est que bah, c'est réduire d'une manière ou d'une autre l'empreinte carbone, efficacité énergétique, logistique, chauffage, etc., etc. Et puis le fonctionnement, donc bah, les bâtiments et le fonctionnement, fonctionnement par exemple par rapport aux déchets. Une partie de ça, de toute manière, bah, vous le faites déjà à cause du coût du marché, donc bah, qui a ce critère. Pour les acquisitions depuis un bon moment. Donc, bah, ça en fait partie. Voilà, donc, tac. Durabilité économique, réduction de la consommation et une économie circulaire, ce qui veut dire partage, par exemple, des salles avec des associations locales, des initiatives, voilà. Un exemple, mais on a vu aussi des projets, vous voyez bien que ben, ça n'a rien à voir avec, avec la bibliothèque à Boston, cette bibliothèque-là, on a vu des projets qui intègrent la vente de légumes locaux, pas des légumes locaux, des fournisseurs, c'est des paysans dans leur rayon. Un peu comme ici en France, le MJC par exemple. Alors, développement durable, qualitatif et social, empreinte carbone côté utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce que, ou est-ce que la bibliothèque contribue d'une manière ou d'une autre à ce que les usagers consomment mieux, réduire donc leur impact écologique. Ça peut être tout simplement un emplacement près des transports publics ou des voies particulières pour les vélos, un exemple. Service de bibliothèque verte et durable, ça c'est ce que je crois que le ministère met en avant comme
un des deux axes pour le développement durable des bibliothèques, c'est l'information, tout simplement. L'information, mais dans le domaine de l'écologie, du développement durable, de collection d'informations veillées, etc. Et puis, durabilité sociale, pas seulement donc, par rapport à l'écologie, mais aussi autre chose, donc éducation, alphabétisation, engagement local. On voit là très bien que c'est un prix qui s'adresse pas seulement à des bibliothèques en France ou en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, mais avant tout aussi à des pays en Afrique ou en Amérique latine. Limitation de l'impact environnemental. La bibliothèque a-t-elle fixé des objectifs environnementaux délibérés? Et travaille-t-elle à la réduction de son propre impact négatif sur l'environnement? Donc, c'est une des questions, à titre d'exemple, du catalogue des critères. Donc, c'est-à-dire qu'une politique affichée et suivie avec des indicateurs. C'est ça que ça veut dire. Et puis, engagement vers les objectifs et programmes environnementaux généraux. Donc, il y a des programmes nationaux. Il y a un cadre international avec l'ONU. Et donc, est-ce que la bibliothèque candidat ici, donc à ce prix-là, rentre dans un de ces cadres-là d'une manière affichée, explicite, oui ou non? Et puis, le dernier point que vous voyez là, ça fait le lien avec les 17 objectifs donc du développement durable de l'ONU. Voilà, donc vous voyez que ça c'était une des bibliothèques candidates, bibliothèque française, je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être il y a quelqu'un, oui, donc vous connaissez, je vois peut-être, et puis médiathèque de Saint-Joseph, La Réunion, c'est une autre bibliothèque qui était candidate il y a 3 ans. Donc, en principe, j'ai terminé. Je montre 2 autres bibliothèques françaises que vous connaissez probablement, parce que je les ai vues aussi dans les publications, dans les dossiers. Donc la médiathèque de la Canopée, La Fontaine, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la médiathèque ici. Non ? Bien. Donc, elle était sur la shortlist, donc vous pouvez vérifier ça sur le site de l'IFLA de cette année. Donc on a bien évalué ce projet-là. Et une deuxième, très différent, un dossier tout à fait différent, et aussi sur la shortlist de cette année, donc la médiathèque Moès à Galonne en Finistère, à Tourcq. Je ne sais pas si quelqu'un est là. J'espère que... C'est bien, donc j'espère que vous ne voulez pas. Donc mon breton n'est pas très, très avancé. Mais voilà, donc c'est juste des exemples. Le message que je peux donc résumer, c'est que le développement durable, donc ce n'est pas un seul aspect, donc c'est un concept multidimensionnel. Et vous avez vu, la communication, le marketing en fait partie, c'est-à-dire que faire quelque chose de bien et en parler, rayonner, entraîner d'autres. Et puis vous avez tout, les collections, l'éducation, l'économie circulaire, les bâtiments, le fonctionnement, fonctionnement à tous les niveaux. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait de toute manière déjà dans les administrations, plus ou moins bien. Voilà, donc je m'arrête là, merci. Merci beaucoup Joachim pour cette présentation très complète de ce cahier des charges ambitieux, je pense qu'on peut le dire après avoir vu tous les critères. Et l'idée de la deuxième intervention, c'est de montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin de remplir tous ces critères. Vous avez vu, c'est des bibliothèques quand même exemplaires et qui peuvent servir de référence au niveau international, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire à un échelon local et qui ont un impact aussi non négligeable. Et donc c'est ça qu'on souhaitait mettre en avant à travers l'intervention d'Anne-Sophie.
Merci, Joanne, d'introduire de cette manière pour justement montrer que notre contribution, elle est modeste et ce retour d'expérience le sera tout autant et très pratico-pratique, comme vous allez le voir. Parce qu'en effet, on n'est pas du tout adopté une démarche de développement durable sur, en termes de projet d'établissement avec des critères d'évaluation. Je vais reprendre, on n'est pas du tout sur une politique affichée et suivie, comme vous l'avez dit, mais voilà, comme vous le verrez, sur des actions de sensibilisation auprès du public et en effet on n'est pas du tout au niveau de la démarche de la bibliothèque Canopée à Paris qui a notamment élaboré un guide de la bibliothèque verte très très élaboré et qui est un support je pense pour nous professionnels et puis aussi pour les équipes de bénévoles particulièrement intéressant. Alors, la médiathèque départementale de l'Aube, un centre de ressources, voilà, c'était au cas où juste si quelques-uns ne connaissaient pas les bibliothèques départementales. Donc, on anime un réseau de 60 bibliothèques, 90 points lecture via donc, le prêt de collection, de la formation, de l'action culturelle et du conseil. Comment est née, nous, cette idée d'amener en fait, des actions de sensibilisation dans les bibliothèques autour de la question du développement durable ? Eh bien, c'est né du contrat départemental lecture qu'on a initié en 2018 avec une étude, en fait, et avec un cabinet qui nous a accompagnés dans cette étude. Et chaque année, on rassemble, en fait, eh bien, les professionnels et les bénévoles lors d'une journée du réseau qui réunit près de 120 personnes. Et donc, eh bien, la journée du réseau 2019 était bien sûr sur la thématique liée au contrat départemental lecture et liée à cette étude. Donc, il y avait une restitution du diagnostic établi avec la perspective vraiment qui était comment on invente ensemble la bibliothèque de demain. Il y avait une deuxième intervention qui était celle de Pascal Desfarges sur les nouvelles modèles de bibliothèque avec surtout l'enjeu eh bien, des démarches participatives et comment on implique le public dans la vie des bibliothèques. Et l'après-midi, ces centaines de participants eh bien, s'est réparti en groupe et chacun a réfléchi en atelier voilà, sur une petite fabrique collective de services, c'est-à-dire quels pourraient être les services qu'il faudrait mettre en place pour eh bien, inventer la bibliothèque de demain. Et sur... je dirais 4/5 des groupes a émergé l'idée eh bien, et vraiment l'importance de cette question de l'écologie, du développement durable et l'envie de mettre en place des grénothèques. On voit que eh bien, c'est une préoccupation bien sûr des citoyens mais aussi de fait des bibliothécaires. Donc les enjeux du contrat départemental lecture qui ont pu être identifiés étaient d'ancrer les bibliothèques dans l'écosystème au bois. Ça voulait dire vraiment réaffirmer la place des bibliothèques sur leur territoire, qu'elles développent des coopérations et puis donc pour qu'elles soient un vrai vecteur d'attractivité de territoire. Le deuxième enjeu était de repenser le modèle de bibliothèque avec, pour et avec les publics, c'est-à-dire en développant de nouveaux services, en développant les démarches participatives. Et le troisième était autour de l'action culturelle renouvelée, par et avec les artistes, et surtout en engageant une démarche de développement culturel, c'est-à-dire en engageant des actions culturelles sur du long terme et avec des partenariats. Et donc, tout naturellement, quand on a dû penser notre programme de formation 2020, eh bien, la journée du réseau qu'on a voulu mettre en place, on a voulu s'appuyer sur cette thématique qui était émergente et ces envies du réseau, qui étaient autour de l'écologie, autour du développement durable. Donc, on avait pensé une belle journée du réseau qui devait avoir lieu en avril 2020. Voilà, avec, eh bien, on voulait quand même introduire vraiment la journée par une pensée philosophique qui était donc qui était celle d'André Gorz, qui est en plus au bois d'adoption et qui surtout en fait donc nous semblait importante parce que c'est vraiment repenser le modèle de la société dans son intégralité et c'est pas juste voilà être sur des actes éparses, mais vraiment repenser le modèle de la société dans son intégralité.
On avait fait appel aussi, bien sûr, à la référente du moment qui faisait partie du groupe aussi de l'IFLA et de l'agenda, donc du groupe de travail sur l'agenda 2030 et des bibliothèques françaises, Raphaël Batz, pour rappeler ces enjeux et ces notions importantes. Et aussi dire qu'on surfait aussi sur les axes. Justement, ce groupe avait vraiment mis en avant et permis à des bibliothèques de. Par deux années précédemment, en fait, à mettre en place des actions, notamment avec des cubes, avec les objectifs du développement durable, et donc en fournissant, entre autres, donc, des outils vraiment de médiation et d'action concrète. Et l'après-midi, là aussi, répartition en groupe, c'était l'idée, des ateliers, en fait, pour que chaque participant vive un atelier très concret, en fait, qu'il après, il aurait pu mettre en place sur sa structure, et en s'appuyant, donc, pour animer ces ateliers, sur des structures ressources référentes du territoire, comme par exemple la Maison de la Science, le Centre. D'information de l'environnement, sur Terre Avenir aussi, qui mène des actions éducatives et de sensibilisation autour du développement durable. Voilà. Et la Maison des Alternatives aussi, qui fait partie du réseau IGREN et qui est un acteur essentiel. Et on avait réussi, souvent la question de l'égalité est difficile à aborder en bibliothèque, hein, et comment on peut en faire prendre conscience et réfléchir ensemble à cette question. On avait identifié, proposé à un intervenant qui anime des cafés philo dans une bibliothèque, de nous préparer un atelier, un café philo justement sur l'égalité homme-femme, voilà, a-t-elle ses limites. Et puis d'autres choses, comme on est sur un réseau quand même rural, où parfois aborder des questions scientifiques n'est pas encore tout à fait acquise, on avait proposé deux ateliers, voilà, peut-être plus faciles d'appropriation autour du land art et aussi de contes autour de l'aube des lacs, parce que il y a cette qui entourait les lacs qui font partie d'un PNR. Cette journée annulée, on l'a réduite en 2021 à une matinée de formation, parce que pour nous, ça nous semble vraiment essentiel, en fait, si on veut que notre réseau entre en action. Pour nous, c'est important, en fait, d'aborder cette question de formation. Et donc, la matinée, on a eu donc Raphaël Basse qui nous a permis, en fait, de nous approprier l'ensemble des objectifs, les 17 objectifs du développement durable, hein, et puis aussi deux structures référentes, donc, qui se sont présentés et qui ont pu donner toutes les propositions d'action qu'elles avaient. Après, donc, on a souhaité que cette thématique soit pleinement appropriée par notre réseau, avec, on a un espace ressources, hein, on peut dire un peu un showroom, voilà, pour que tout le monde comprenne, où on aborde une thématique deux à trois fois par an, où on y présente, bien sûr, des collections, aussi des applis qu'on avait sélectionnées. L'idée aussi, c'est qu'il y ait des exemples d'animation, d'ateliers, qu'on ait une liste de structures référentes, en fait, autour de la thématique sur lesquelles pourrait s'appuyer, en fait, le réseau. Et puis aussi des visuels clés en main, avec, pour que vraiment tout leur soit facilité et qu'il n'ait plus qu'à s'engager dans la médiation et aller vers les publics. On avait identifié, souhaité, comme la thématique du développement durable, les enjeux sont tellement vastes, on avait en fait identifié trois sous-thématiques qui étaient la réduction des inégalités, préserver la biodiversité et les éco-gestes. Donc sur le site, on remet tout cela à disposition également, toutes ces ressources qui ont pu être recensées. Et donc pour l'année 2022, on a pu s'engager, comme en plus c'était un moment propice où le public et les bibliothèques attendaient de pouvoir en fait refaire de l'action culturelle. On s'est engagé dans financer des actions culturelles que pourraient mettre en place les bibliothèques. En tout d'abord
leur proposant eh bien, les ateliers qu'on avait pensés pour la journée du réseau 2020. Mais en fait, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que en fait, les bibliothèques qui sont engagées dans ce programme eh bien, ont à leur tour identifié des structures ressources référentes sur leur territoire. Et donc, on a eu une belle diversité, un très beau programme assez varié, comme là, par exemple, des ateliers scolaires avec Terre Avenir autour eh bien, des biocarburants. Hein. Ici, c'est une journée à la Maison des Alternatives autour de la fresque de l'alimentation. Des ateliers aussi zéro déchet, donc Tawashi, hein, comment créer son éponge avec des matériaux recyclés. Et donc on voit qu'on est aussi sur des publics très très variés, familiaux, intergénérationnels. Bien sûr, tout le travail mené par les bibliothèques de sélection de documents et de valoriser eh bien, ces documents. Là, un atelier éco-vannerie avec le tiers-lieu, en fait, le nid de créateurs qui regroupe plusieurs artisans au niveau local. Donc, à partir de papier voilà, récupéré, ils ont pu créer eh bien, des contenants. À la médiathèque de l'usinier qui s'est très particulièrement investie et qui a identifié une personne ressource sur son territoire qui venait de se former à l'agro, à la biodynamique, eh bien, c'est des ateliers très très concrets en fait qui ont pu être menés, comme par exemple ici, le sol est-il vivant ? Où eh bien, voilà, on voit que chacun patouille dans la terre, on va explorer la terre, et puis là, donc, cet échange à la fois théorique, pratique, se terminait par eh bien, créer un ver de terre avec de l'argile. Et qui, bah, voilà, on voit aussi que même les personnes âgées sont bien fières de mener ces ateliers. Là, on était sur des ateliers micro-pousses. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur ce programme qu'on a impulsé, c'est que les bibliothèques s'en sont vraiment emparées et sont allées au-delà juste des propositions qu'on avait pu leur faire sur des ateliers clés en main qu'on leur soumettait et qu'elles sont elles-mêmes allées chercher en fait eh bien, ces structures référentes. Et donc, l'objectif, nous, je trouve, c'est vraiment... C'était vraiment aussi de renouveler l'image des bibliothèques, de ne pas être uniquement sur, souvent quand on veut parler du développement durable, on va être sur des conférences. Et là justement, vous voulez vraiment qu'on soit sur des ateliers très très pratiques, participatifs. C'est bien sûr eh bien, d'apporter des réponses aux défis démocratiques, ça participe de ces enjeux. C'est se repérer aussi donc, dans les changements socio-techniques. Et donc ça répond vraiment aux objectifs du contrat départemental de lecture et comment les bibliothèques peuvent y répondre. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est vraiment faire de l'action culturelle en circuit court et puis aussi d'être eh bien, sur des partenariats durables. Et donc là, moi j'ai envie de dire, eh bien, voilà, le défi a atteint c'est vraiment ses objectifs. Et voilà, maintenant, on sent que d'autres bibliothèques, ça a été inspirant. On vit maintenant de s'inscrire. Voilà, sur la maigre, modeste contribution. Voilà, je suis pas d'accord. Un grand merci, Anne-Sophie. Moi, je trouve que c'est vraiment un très, très beau témoignage. J'espère que, je ne doute pas que vous partagez mon sentiment. Et donc, il y a plein de ressources qui ont été mises en ligne sur le site de la médiathèque. Et vraiment, ça montre qu'il y a une très, très grande diversité d'actions et qu'il n'y a pas un seul cadre. Je vais reprendre le titre de « Inventer la bibliothèque de demain ». Pour faire la transition avec l'intervention de Jean-Michel, donc comme je le disais en introduction, voilà, se demander un peu quelle traduction pardon, pour le travail de prospective et comment les outils sur lesquels vous avez travaillé peuvent vous aider à se saisir de ces enjeux. Merci beaucoup. Donc, je vais m'appuyer en effet sur un travail de recherche réalisé avec mon collègue Bertrand Poget, qui étant au Canada, ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. J'y reviendrai. Oh, c'est pas facile à lire en fait, hein. Même pour moi. Alors, je vais faire un petit effort. Oui, pour
peut-être... Pardon ? Non, non, ça va aller. Peut-être quelques réflexions au préalable. Je crois qu'il faut prendre acte du fait que l'après-crise, en fait, signale qu'on va vivre, si ce n'était pas déjà le cas, dans une ère où de nouvelles crises vont se présenter devant nous. Et la seule chose qu'on puisse dire, c'est que ce sera le régime que nous allons connaître ou que nos enfants vont connaître dans les décennies à venir. En tout état de cause, le monde, il est de plus en plus complexe, il est incertain, il est porteur de risques. Alors, je ne veux pas non plus faire un tableau catastrophique. Il y a des progrès dans les sociétés, bien entendu. Mais il serait prudent d'imaginer que l'avenir n'est pas écrit d'avance, d'où peut-être le lien avec des réflexions de prospective, non pas pour chercher à lire dans une boule de cristal ce qui va se passer, mais se préparer à ce qui pourrait possiblement advenir. Alors après, sur le concept de développement durable, en effet, ce n'est pas quelque chose d'original, mais c'est vrai que, à titre personnel, n'étant pas un spécialiste de ce domaine, ça soulève deux interrogations. La notion de développement, qui suggère que, finalement, on est voué à continuer à se développer, donc quel sens ça peut avoir pour nos sociétés? Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un moyen? Au fond, l'objectif des sociétés, c'est de garantir le plein épanouissement des individus. Le développement, c'est un moyen. Donc, est-ce que j'ai envie de me fixer un objectif de développement? Voilà, c'est une question ouverte. De la même façon, c'est vrai que je comprends bien que le terme durable... qu'est-ce qui signifie? Est-ce que nous voulons, là aussi, que le modèle que nous connaissons actuellement soit durable? Bien entendu, ce n'est pas dans ce sens-là que c'est entendu, mais il y a une petite ambiguïté. Et c'est vrai que le terme anglais, qui n'est pas évident à adopter en français, soutenable, mais décrit finalement mieux peut-être ces objectifs. Il faut qu'on puisse les soutenir, voilà, si ça veut dire quelque chose en français. Alors, est-ce que... quelle place finalement ces enjeux nouveaux prennent dans les réflexions de prospective? C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire une place relativement modeste. Alors, est-ce qu'il faut faire des bibliothèques aussi à un des lieux de réflexion centraux sur, alors, soit le développement durable et ou la préservation de la planète? J'ai envie de dire oui et non. Les bibliothèques sont pour une part notable des régies administratives qui constituent des services de collectivités, et ce sont ces collectivités qui, à mon sens, politiquement, sont responsables de ces grands enjeux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les aborder au niveau des établissements, mais il ne faut pas non plus peut-être survaloriser la place que peuvent jouer les institutions culturelles. Au fond, elles devraient, comme toute institution publique, s'aligner sur des normes, des principes, des réglementations, législations qui, ultimement, découlent des principes constitutionnels. Voilà, donc comme toute institution publique, elles devraient agir dans ce sens. Alors, et si on rentre à l'intérieur du champ culturel, on peut se dire que finalement, les bibliothèques ne sont pas non plus les plus en première ligne, d'une certaine manière. Parce que les professionnels du spectacle vivant ont une certaine légitimité à s'interroger sur leur fonctionnement. C'est vrai que quand on fait venir un artiste de l'autre bout du monde, on le fait pour de bonnes raisons, et je souhaite qu'on puisse continuer à le faire. Mais évidemment, le coût carbone est assez élevé, plus élevé en tous les cas que pour des pratiques de proximité qui sont principalement celles des bibliothèques. Alors on peut imaginer aussi, sans vouloir stigmatiser ce secteur, mais bon, parfois des mises en scène extrêmement coûteuses, où il y a peut-être une petite part de gaspillage, parce qu'on ne réutilise pas forcément des décors. Bon, alors évidemment les choses changent, c'est en ça que les mentalités évoluent. Hier au centre Pompidou me disait on va démarrer à gauche plutôt qu'à droite parce que ça correspond à la réutilisation qu'on a faite de l'ancienne scénographie. Bon, très bien, ça prouve que effectivement ces principes sont mis en œuvre.
Alors, et si je parle d'un autre secteur qui est celui des musées, où, ben là aussi, on peut se sentir beaucoup plus concerné parce qu'on a des personnes qui voyagent du monde entier, peut-être parfois, pour visiter des lieux, donc avec une consommation carbone élevée. On fait circuler des œuvres. Hein, et nous sommes très ravis de bénéficier de grandes rétrospectives, mais parfois, les œuvres viennent d'Australie ou d'Amérique du Sud, ou que sais-je. Alors, à ce titre-là, bon, du côté des bibliothèques, moi, je ne suis pas, encore une fois, spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est plutôt soit des principes généraux relatifs à tout fonctionnement de tout équipement public, soit plus spécifiquement la question du numérique qui pourrait nous interroger, mais peut-être guère plus que cela. Alors, et dernier point, là, peut-être qui serait commun à l'ensemble du champ culturel, ce serait les grands gestes, ce que j'appellerais des grands gestes architecturaux, qui ont été conçus notamment dans des logiques d'attractivité et dont on peut se demander quel est leur devenir. Est-ce qu'on va continuer à bâtir des équipements extrêmement coûteux, extrêmement énergivores, avec des espaces qui sont très démonstratifs? Alors là encore, les bibliothèques sont finalement assez peu concernées, à l'exception de certaines d'entre elles, mais bon, de nouveau, la proximité fait que ça s'oppose presque à la notion d'attractivité. Soit vous faites un grand équipement de rayonnement régional, national, international, soit vous faites un équipement qui sert la communauté locale et les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que d'autres personnes dans la salle. Des projets de construction, il y en a beaucoup. Ah non, mais je n'ai pas dit de construction en général. J'ai dit des grands gestes architecturaux. Et les architectes ont parfois des idées qui sont les leurs. Non, mais regardez dans la salle, on hoche la tête, qui sont les leurs sur leur réalisation et sur ce qu'ils mettent dans la construction. Et on ne peut pas dire qu'au cours des 20 dernières années, il n'y a eu que des exemples en termes... voilà. Donc je pense que cette question architecturale, elle est de plus en plus importante pour les bibliothèques, notamment dans le cadre des nouvelles réalisations. Alors c'est peut-être moins immense qu'un musée, encore qu'il faudrait comparer dans les territoires, mais c'est un vrai sujet. Et peut-être que quelqu'un voudra témoigner tout à l'heure. Dont acte. Je rappelle quand même qu'on présente les architectes comme étant tout puissants. Non, ce sont des maîtres d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est la collectivité. Donc celle qui décide, c'est la... Ah ben, en démocratie, c'est comme ça que ça marche. Hein, qui paye commande. Ah, pardonnez-moi. Ou alors, si vous n'appliquez pas ces principes, c'est votre problème. Mais la réalité, c'est ça. Qui paye commande. Donc, ceux qui payent, c'est la collectivité, c'est les citoyens. Donc, c'est à eux d'imposer leur desiderata vis-à-vis d'architectes. J'entends bien ce que vous voulez dire. J'imagine que vous allez me dire que vous faites référence à des architectes entre guillemets stars. Bon, voilà. Bon, mais... Ah, pas seulement. Bon, alors, si c'est même pas le cas, problématique. Alors, oui, donc les... juste pour compléter ce qui a déjà été dit et mieux, mais voilà, c'est pour rappeler qu'en effet, si je veux faire un effort de spécifier quelle est ma responsabilité en tant que responsable d'une bibliothèque, en effet, sous l'autorité d'une collectivité publique, quand ce n'est pas des bibliothèques associatives, ben voilà, on a tout ce registre qui concerne le transport, les matériaux, l'éclairage, et c'est là que les architectes quand même évoluent. Hein. Ils ont aussi intégré cette réflexion, en tous les cas, pour les plus vertueux d'entre eux. Voilà, donc ça, c'est connu, donc je ne m'y attarde pas. Alors, je fais juste référence à des réflexions globales hein, d'un spécialiste qui a publié un rapport hein, qui s'appelle The Shift Project et qui a été décliné ensuite secteur de la société par secteur de la société. Et alors on voit qu'en effet, il y a des réflexions qui touchent plus particulièrement le secteur de la culture. Bon, sachant que c'est un peu compliqué la culture, parce que la culture, ça inclut beaucoup de choses, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça inclut aussi les industries culturelles qui, quand même, il faut le reconnaître, fonctionnent d'une façon, sur des principes assez différents. Et quand on regarde ce que nous disent ces spécialistes, ben finalement, ils nous disent que ce qui apparaît, selon moi, c'est que les bibliothèques sont plutôt vertueuses. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, ben, les livres, il faut qu'ils vivent le plus possible. Voilà, c'est-à-dire, vendez-les, louez-les, prêtez-les, donnez-les, faites ce que vous voulez, puis allez en bibliothèque.
Alors là, on se dit que les bibliothèques, au contraire, elles jouent un rôle extrêmement positif, en tout cas dans cette chaîne de l'édition et du livre. Bon, c'est un petit aspect, mais c'est pour dire qu'on peut aussi parfois se tresser des louanges à soi-même. Oui, si personne ne le fait, il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, je reviens maintenant à la raison pour laquelle je suis présent. C'est ce travail de prospective conduit avec Bertrand Pauget. Donc on s'est donné pour objectif de mener ce genre de travail de recherche universitaire, dont l'objectif c'est d'être publié dans des revues à comité de lecture, c'est ça en général la recherche universitaire, de l'éclairer donc dans différents secteurs. On l'a commencé par les musées, ça a été publié, les bibliothèques maintenant, c'est en voie de publication, après le tourisme culturel qui est aussi en préparation, etc. etc. Voilà. Donc on s'est donné cet objectif. Alors c'est quoi Delphi? C'est une méthode assez ancienne qui date des années d'après-guerre, qui vise à réunir des experts et à leur demander leur avis sur une question. Voilà. Bon, alors ça c'est assez structuré, ça donne lieu à un grand champ de publications académiques. Et l'idée générale, c'est on essaie de trouver un consensus. Alors encore une fois, c'est pas de dire essayer de deviner ce que personne ne connaît, c'est dites-nous ce qui est plus probable selon vous, vous qui êtes spécialiste du domaine. Voilà, alors c'est ce que nous avons fait là en sollicitant, je crois, 300 ou 400 personnes avec une centaine de réponses pour le premier tour. Et puis comme on cherche à resserrer pour arriver à des consensus plus précis, au second tour, il y en avait moins, mais ce qui est logique, il y a toujours une déperdition, mais qui donne quand même une certaine visibilité, une certaine robustesse. Alors les travaux de prospective qu'on avait examinés auparavant sont souvent fondés sur des réunions d'associations professionnelles, etc. Donc c'est très bien, c'est parfait, il faut que ça existe, mais ça n'obéit pas à la même logique, on va dire, méthodologique, voilà, ces règles qu'on se donne et qui sont évaluées par des pairs dans le champ universitaire. Alors, bien que l'objectif soit universitaire avant tout, c'est vrai qu'après, on est très content de le partager avec des professionnels, puisque finalement, on travaille avec des professionnels, enfin, en tout cas, sur la base des connaissances des professionnels, et on est content de restituer ensuite les résultats. Alors, qui on interroge? La notion d'expertise, elle fait débat, elle est très complexe. Il y a des domaines de la société où il y a très peu de personnes compétentes qui peuvent se donner un avis informé sur une question. Dans le domaine scientifique, par exemple. Bon. Mais dans le domaine des bibliothèques, effectivement, là, on a un spectre plus large, et d'une part, et d'autre part, notre intention, c'était de ne pas interroger uniquement des bibliothécaires, mais aussi des gens qui gravitent, qui peuvent avoir un avis sur le devenir des bibliothèques, donc que ce soit dans le champ administratif, dans le champ politique, dans le champ journalistique, dans le champ du consulting, etc. Donc c'est ce que nous avons fait pour avoir une certaine diversité de regards par rapport à ça. Alors on leur soumet un grand nombre de tendances dans plein de domaines, alors soit issues d'autres études prospectives, ou soit issues de la littérature du champ lui-même. Et puis on analyse les résultats d'un point de vue statistique, principalement sur la base de moyennes et d'écart type, et on s'arrête quand on a obtenu un consensus. Donc là, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, deux tours étaient suffisantes. Alors on complète cette partie plutôt quantitative par des entretiens, soit individuels avec des... Donc là, ce n'est pas fait pour être lu. Ne me dites pas qu'on ne peut pas le lire, parce que je savais bien que c'était le cas. Mais c'est juste pour donner une idée de quelle tête ça a, toutes ces tendances. Et encore, là, c'est une sélection, celles qui ont été validées. Et puis, comment on les classe pour pouvoir, en finalité, c'était ça l'intention, établir des scénarios. Donc, on en a quatre. Alors, pourquoi? Parce que, pour me contredire un petit peu, il y en a deux qui sont des scénarios qui sont fondés sur des consensus très fort d'un côté et consensus un peu moins fort de l'autre. Et puis, des scénarios qu'on a appelés de rupture, c'est-à-dire que normalement ça ne devrait pas se produire, quoi. Mais on est bien payé maintenant pour savoir que l'imprévisible parfois est voué à se produire. Donc il est pertinent, et de plus en plus, c'est pour ça que je faisais allusion à cette idée de complexité, d'incertitude, de risque, il est pertinent de surveiller notamment les signaux faibles. Les signaux faibles aujourd'hui sont un peu sous les radars, mais rien ne dit qu'ils ne vont pas prendre une importance inattendu à l'avenir. Donc il faut les surveiller. Donc on a deux scénarios qui sont considérés comme assez peu probables, mais finalement qui pourraient
possiblement advenir. Alors, le seul commentaire que je ferai sur le débat qui nous occupe, c'est que finalement, cette tendance qui a été, peut-être certains d'entre vous ont répondu à l'enquête et je les en remercie, cet item, les items consacrés au développement durable ont été finalement assez peu validés. Donc, on a un scénario qui fait allusion, je le décrirai dans un instant, mais sinon, voilà, ce n'était pas une tendance qui, pour les professionnels, était quelque chose qui était considéré comme très important ou majeur ou qui allait influer. Alors, peut-être les choses vont changer après cette table ronde, bien entendu, parce que chacun aura pris conscience de l'importance que ça représente, mais à ce moment-là, ça n'était pas aussi décisif que ça. Alors, ces travaux de prospective, effectivement, comme je le disais, au-delà du fait de nourrir la réflexion collective, hein, on pourrait l'envisager, pourquoi pas, à l'échelle d'un territoire ou d'un établissement en particulier, même si là, en l'occurrence, c'est plutôt à l'échelle globale du pays. Alors, juste pour dire quelques mots des scénarios, ce qui a part, alors ça, on l'a restitué, hein, à un certain nombre de personnes qui ont commenté, qui ont donné leur avis, mais a priori, voilà, c'était à peu près stabilisé. C'est en raccourci, hein, parce que évidemment, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Alors, le premier, ben, c'est un peu comme dans le domaine du tourisme, hein, c'était assez surprenant parce que ça tenait compte de la période du Covid. Même pour le tourisme, il y avait l'idée qu'on allait revenir à la normale, et c'est pas forcément faux. Je crois que ce qu'on observe aujourd'hui avec les demandes de départ, y compris dans les destinations lointaines ou le retour du tourisme de masse, suggère qu'en effet, les professionnels n'avaient pas forcément tort. Donc là, on a plutôt une réaffirmation d'un modèle fondé sur des valeurs fortes de la profession et qui semble devoir être celui qui continuerait à être mis en œuvre à l'avenir. On a un autre scénario qui met plus l'accent sur la dimension d'accompagnement, de suivi, d'orientation. Effectivement, ça a du sens par rapport aux gros mastodontes comme Amazon ou Google, où la part du numérique est peut-être aussi un peu plus importante. Et alors, dans les scénarios moins probables, donc ça serait l'idée d'une bibliothèque qui peut-être à l'image de ce qui se passe chez nos amis britanniques serait confrontée à de très grandes difficultés, aurait du mal aussi à suivre l'accélération de la production, notamment des industries culturelles, hein, que ce soit dans le domaine du livre, du disque, etc. Et puis le dernier, où là on s'éloignerait finalement d'un modèle éprouvé et où on aurait une sorte de réinvention de la bibliothèque, mais pas forcément dans le sens que les bibliothécaires souhaitent, à la fois capable de produire des services, mais aussi avec une attente de revenus. Hein. Donc là, on changerait probablement en partie de paradigme et on utiliserait davantage, on va pas dire les grands mots, l'intelligence artificielle, mais en tous les cas, les algorithmes pour chercher à proposer des services davantage personnalisés aux différents usagers. Est-ce que vous voulez qu'on... Bon, je termine là-dessus, alors. Alors, donc finalement, si j'ai eu tendance à euphémiser le rôle des bibliothèques dans le ralentissement du réchauffement climatique, parce que si les bibliothèques ferment demain, ben, il ne va rien se passer, croyez-moi, enfin, pour la planète, hein, ça sera dommage pour les citoyens. Pour autant, je suis persuadé qu'il y a un rôle très important, comme vous l'avez illustré, madame, aussi, dans le fait que ben, les bibliothèques, elles ont quelque chose d'unique. Ce sont pour les communautés locales, pour les populations, pour les villes, pour les territoires, ce sont des lieux de ressources vers lesquels les élus, les entreprises, les associations peuvent se tourner. Donc ça, c'est un rôle absolument irremplaçable. Deuxièmement, on a vu aussi dans la table ronde sur les partenariats que les bibliothèques sont en relation avec beaucoup d'entités de la vie locale, alors, principalement dans le domaine éducatif, social et culturel, mais potentiellement également avec d'autres acteurs, y compris dans le domaine de la recherche, dans le domaine des entreprises,
Voilà, donc ce rôle de pivot peut être valorisé. Voilà, donc l'idée de dire, c'est pas les bibliothèques qui vont résoudre le problème, mais par contre, elles peuvent être le catalyseur de réflexion extrêmement utile au niveau local. Alors, je m'empresse quand même de le dire que enfin, tout ne repose pas sur les épaules des bibliothécaires parce qu'on a aussi localement, alors pas partout bien entendu, hein, je fais un tableau assez général, mais il peut advenir qu'on ait, alors on a cité tout à l'heure le CPIE, c'était très, très intéressant, un PNR, mais aussi traditionnellement dans nos villes, parfois on a un muséum d'histoire naturelle, on a obligatoirement des fédérations d'éducation populaire, des MJC avec lesquels on peut travailler, et puis tous les pôles de recherche et d'enseignement. Voilà, et puis dernier rôle aussi à valoriser, à mettre en avant, notamment vis-à-vis des élus, c'est ce rôle de lieu de rassemblement, d'espace public. On sait bien que les espaces publics sont voués à disparaître les uns après les autres, les églises, les cafés, enfin voilà tout ça. Mais il reste les bibliothèques, et c'est pour ça que les bibliothèques ne vont pas disparaître. Les bibliothèques sont irremplaçables, c'est un lieu où les citoyens peuvent se retrouver et discuter de ces questions politiques dont vous parliez, madame, hein, de ces questions citoyennes. Donc voilà un rôle que, en tout cas de mon point de vue, on aurait envie de confier en effet au monde des bibliothèques. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention très complète. Et je vous proposais tout à l'heure d'ouvrir dès à présent des questions à la salle, et on reprendra la parole en toute fin de séance pour voir un petit peu, entendre nos intervenants sur des idées de choses à mener. Un micro arrive. Bonjour, Floriane Brun, je travaille à la médiathèque de Colombes où on essaye, en tout cas on a axe développement durable assez conséquent. Merci pour vos interventions, c'était très très intéressant. Par contre, je me permets de rebondir sur sur ce que nous a présenté le professeur Tobolem. Alors je ne sais pas si j'ai mal compris ou si ce n'était pas partie de l'étude, professeur, vous allez me dire, mais en fait, il y a tout un pan que je n'ai pas vu et sur lequel moi j'essaye, en tout cas à mon petit niveau et voilà, en tant que professionnel, de jouer. C'est en fait, au-delà du bâtiment, il y a le contenu, en fait. Et en fait, pour un certain nombre de bouquins, l'impact écologique est catastrophique. Voilà. Ils sont imprimés en Chine dans des conditions dont on ne sait rien mais qu'on imagine assez horribles, avec de l'encre qui doit se retrouver dans l'environnement, des conditions de travail des ouvriers. Voilà, pareil, on se demande dans quelles sont leurs conditions. Donc il y a vraiment un impact qui, pour le coup, me semble intéressant, sur lequel jouer. D'en avoir conscience déjà, parce que je pense que tout le monde n'en a pas conscience. Et puis cet aspect-là, qui pour moi peut avoir un vrai impact dans l'ensemble de ce qu'on appelle le développement durable. Oui, alors deux choses. En effet, je n'ai pas indiqué l'intitulé de l'enquête. En fait, c'était les bibliothèques en 2030. Donc ce n'était pas du tout centré sur... pas particulièrement centré sur le développement durable. C'était le développement durable, c'était un item parmi de nombreux autres. Donc, ce n'était pas centré là-dessus. Donc, en effet, vous avez raison. Et la deuxième réponse, c'est comme on l'a vu dans le Shift Project, eux analysent très finement, parce que là, j'ai présenté deux diapos, mais il y a, je crois, un rapport de 120 pages, je ne sais pas quoi, où ils analysent très finement l'ensemble des secteurs culturels et, en effet, le secteur de la chaîne du livre, et où il y a des remarques très pertinentes, en effet, sur les progrès qui peuvent être effectués. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas plutôt la responsabilité de la chaîne du livre que ultimement, en bout de course, la bibliothèque qui acquiert un ouvrage dans des conditions, voilà, mais qui ne lui appartiennent pas directement. Oui, simplement pour compléter sur cette question de l'édition, c'est vrai que c'est plus large, ça dépasse largement les bibliothèques, c'est toute la chaîne de l'édition, toute la chaîne du livre, ça, voilà, donc c'est des discussions devront être portées à une échelle nationale, voire européenne, sur toutes ces conditions. Après, y a des, dans les exemples qu'on voit, il y a des choix aussi qui sont faits par les bibliothèques de s'approvisionner.
Voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'on peut faire, nous, individuellement, collectivement, l'organisation, l'institution, et après, ce qui doit découler, comme le disait M. Tobelem tout à l'heure, de normes, mais où parfois on se rend compte qu'on est un peu en avance par rapport aux normes et qu'elles mettent finalement plus de temps à arriver face à des choses dont on a fait un constat en interne. Oui, bonjour, Eleonora Leboeck. J'avais une question pour M. Schopfel, et notamment sur son regard sur l'international. Aujourd'hui, effectivement, on se pose ces questions multiples, parce qu'on a parlé de bâtiments, on a parlé de collections, on a parlé de médiation, on a parlé de plein d'aspects, de rapport à nos collègues des autres politiques publiques également. C'est pour ça que je réagissais sur les architectes, c'est que nous ne sommes pas seuls en maîtrise de l'argent public. Et la question, alors c'est pas une question quelles sont les bonnes pratiques des autres pays qu'on pourrait insérer en France, parce que je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça, mais le regard de l'INSULIB et de l'IFLA peut-être nous orienter, ou en tout cas alimenter peut-être ce mouvement qui a lieu, je ne sais pas, au niveau national, au ministère de la Culture, qui pourrait nous aider, nous, à avoir des choses incitatives, et c'est complètement en rapport avec ce que vient de dire Joanne Wazani, sur des choses un petit peu nationales qui pourraient nous aider. On commence à percevoir ce qu'on peut faire localement avec nos propres moyens. Est-ce qu'il y a encore de la marge de manœuvre sur des incitations nationales, et qu'est-ce que peuvent nous apporter les expériences internationales là-dessus? Merci pour la question. Donc, non, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est l'objectif de l'IFLA, c'est de montrer des modèles. Maintenant, on a toujours l'impression que le prix est plus vert chez les voisins. Mais sérieusement, c'est pas comme ça que c'est pas l'approche de l'IFLA, d'une part, et de ce que je connais d'autres pays, mais très peu. Donc, je connais pas toutes les bibliothèques. Et ce qu'on voit, c'est surtout les meilleurs de ce qui est mis en avant. Je ne crois pas qu'il y a un retard en France ou une voie différente de ce qui se passe dans d'autres pays. La prise de conscience est là. Et je crois que ce que l'IFLA souhaite faire, exactement comme ça se fait ici, c'est mettre en avant des bons modèles. Mais en étant clair sur un point, que bon modèle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut installer comme ça, de la même manière partout, parce que les contextes sont différents, les moyens sont différents, les ressources sont différentes. Et ça, c'est quelque chose que je crois que vous connaissez parfaitement. Donc, d'une municipalité à l'autre, les priorités sont différentes. En même temps, il y a des questions qui se posent partout. Et donc, l'approche est vraiment de dire que face à ces enjeux qu'on connaît depuis des décennies maintenant, quelle peut être la place de ces services particuliers avec des missions particulières, qu'est-ce qui peut contribuer s'il y a une politique dans ce sens-là au niveau local ou régional ou national, comment elles peuvent s'insérer, qu'est-ce que ça implique pour le développement, pour la gestion interne, que ce soit les ressources humaines, les achats, le fonctionnement, voilà. Donc, il faut voir ça comme ça. Il n'y a pas ni une homogénéité partout, pareil, mais la diversité n'est pas comme ça qu'il y a une différence flagrante. Les uns sont mieux que les autres. Non. Mais c'est sûr que si vous êtes directrice responsable d'une bibliothèque, je ne sais pas, en Slovaquie ou en Croatie, on voit des dossiers de là, ou au Nigeria, au Kenya, les moyens ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même, les portes où il faut frapper pour avoir quelque chose, ce n'est pas les mêmes, donc voilà. Mais j'en profite aussi, parce que je crois que ça va un petit peu dans le même sens, juste une remarque. Par rapport aux quatre scénarios, j'attends avec impatience la publication.
Mais moi, je me suis demandé, ces quatre scénarios, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas alternatif. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui peuvent se développer ensemble, en parallèle, sur le même territoire même. Non. Non, les scénarios, ils sont alternatifs. Évidemment, on peut avoir un mix de l'un par rapport à l'autre, mais soit, en toute logique, soit vous êtes dans une tendance que vous poursuivez assez proche de votre pratique habituelle, soit vous basculez vers un autre modèle. Mais à ce moment-là, si vous basculez vers un autre modèle, vous êtes éloigné du modèle précédent. Peut-être que... C'est la notion de scénario qui fait débat. Je me permets de prendre la suite. Bonjour, Marjorie Alexandra Bellini, élève conservatrice territoriale à l'INET. Petite question pour Anne-Sophie Reidy par rapport à votre contrat territorial de lecture publique. Pourquoi vous avez décidé de mettre le développement durable en son cœur ? Et quelles sont les actions qui n'ont pas marché ? Et quels sont les autres contrats qui vous ont inspiré pour faire cela ? Alors, le développement durable n'est pas au cœur en fait des actions développées dans le cadre des animations. C'était vraiment parce que c'était la thématique qui avait été émergée, comme on voulait vraiment valoriser la démarche participative. Et puis en fait, finalement on se rend compte que ça répond pleinement aux trois enjeux en fait, qui est d'inscrire la bibliothèque sur son territoire, de repenser le modèle de bibliothèque et puis d'être sur du développement durable sur du long terme. On ne s'est pas inspiré d'autres actions. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, et ce qui est important, c'est que ça émerge vraiment d'une volonté locale et d'un état des lieux et de ressources. On est quand même sur un territoire aussi rural, avec une richesse naturelle. Et sans aucun doute, c'est ce qui fait que c'est cette thématique-là qui a émergé naturellement et qui aussi... Si je pense que si les gens, les Aubois apprécient de rester sur ce territoire, sur ce département, c'est pas tant pour sa richesse culturelle, mais justement par cette richesse naturelle et qu'on a envie de la valoriser. Moi, j'ai répondu à votre question. Et du coup, les actions que vous avez menées qui n'ont pas fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné Est-ce que c'est bien de parler de tout ce qu'on fait bien ? Sur le développement durable ? Oui. Oui, alors après, c'est peut-être le moment qui n'était pas propice pour que autant de bibliothèques qu'on aurait souhaité puissent s'engager, parce qu'en fait, l'action culturelle commençait juste à reprendre en fait en bibliothèque. Mais après, moi, nous, on croit beaucoup en fait au fait que, on démarre avec quelques bibliothèques qui vont donner envie aux autres, et que c'est comme ça après que ça va pouvoir aller un peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voulais rebondir sur un élément où je me dis qu'en fait, les bibliothèques, quand on veut évaluer en fait notre impact ou évaluer notre démarche de développement durable, peut-être qu'on n'est pas sur les bons enjeux. En fait, on est beaucoup sur l'impact environnemental, mais finalement, je me dis, il faudrait peut-être plutôt réfléchir aux autres enjeux sur lesquels c'est notre cœur de mission. En fait, réduire l'inégalité, l'enjeu de l'accès à l'éducation, d'être sur des partenariats aussi locaux. Et en fait, on surfe un petit peu sur, je pense, sur la tendance qui est celle de l'écologie, alors que je me dis qu'on devrait vraiment se pencher sur en fait ces enjeux-là et ces objectifs du développement durable qui sont en fait notre cœur de mission. Je suis tout à fait d'accord et je me permets de répondre, de rebondir sur cette intervention et par rapport à ce que disait Joachim dans sa présentation. Effectivement, il y a une feuille de route des objectifs du développement durable à l'échelle française, nationale, qui a été rédigée par le ministère de la Transition écologique, dans lesquelles les bibliothèques apparaissent. Ça a été arraché de haute lutte par Raphaël Batz pour que le mot bibliothèque apparaisse, et effectivement, plutôt sur des enjeux d'accès à l'information et d'éducation de qualité. Cependant, EBLIDA, donc l'association européenne des bibliothèques, a lancé récemment une étude auprès des bibliothèques européennes sur les objectifs du développement durable, en demandant sur quel objectif vous vous positionnez.
Et en fait, je vous invite à aller la consulter, c'est en ligne. On voit que c'est assez varié et donc qu'il y a à la fois l'objectif ville durable, qu'il y a l'objectif évidemment accès à une éducation de qualité, mais pas que. Et je pense que tout ça va dans le même sens, c'est aussi se positionner sur des choses qui ont du sens pour la bibliothèque, pour son équipe, pour évidemment les citoyens et les usagers de manière plus générale, et que c'est pas quelque chose qui est restrictif. Et on en revient à ce que je disais en introduction, qui est la définition de ce terme qui est vraiment, vraiment pas évidente. Après, sur la question écologique, je pense qu'il y a quand même une certaine urgence à se positionner et à donner des signes qui vont dans le bon sens. Donc je ne dirais pas, en tout cas à titre personnel, de la laisser complètement de côté, mais il est vrai, indiscutablement vrai, que ce n'est pas la seule chose dont les bibliothèques doivent se soucier, et que si on regarde la liste des 17 objectifs du développement durable, vous faites déjà énormément de choses. Voilà, vraiment, déjà. Bonjour. Moi, quand je vous écoute, en fait, ça m'inspire deux choses. J'ai eu une expérience de chef de projet chez un fournisseur pour les bibliothèques, Et en fait, j'ai été au contact avec les architectes et je confirme que les architectes sont des artistes incompris et que même si c'est celui qui paie, qui commande, ils font quand même bien ce qu'ils veulent et on a de la chance quand ils associent les médiathèques à leurs projets, comme ça c'est dit. Moi, je me dis, là on parle de choses très générales, de manière très prosaïque. Alors au-delà du truc qu'on a peut-être tous vu où on s'amuse à trier nos déchets et les gens qui font l'entretien mettent tout dans le même sac, moi, je me suis souvent posé la question des étiquettes RFID qui équipent les documents. Je travaillais dans les RFID, donc je le sais. Il n'existait aucun processus de traitement de ces déchets. C'est-à-dire que nous, en tant que société, on pouvait se proposer de le faire, mais on n'allait pas venir pour 20 étiquettes, en fait. Donc, soit les médiathèques stockaient des cartons pendant des années pour arriver à faire quelque chose qui valait la peine de dépasser un transporteur. Soit je leur disais, mais demandez dans vos collectivités, peut-être que le service informatique ou le service traitement des déchets ont des solutions. Et non, il n'y en avait pas. Et on parle de je ne sais pas combien de centaines de milliers de documents parfois. Donc, et il y a la colle aussi sur les adhésifs qu'on va mettre, etc. Enfin, on est peut-être pas exemplaire là-dessus. Et l'autre remarque que ça m'inspire, c'est que si on revient du côté des architectes, il y a souvent des belles idées de bâtiments haute qualité environnementale, etc. Et on se retrouve dans les faits avec des systèmes d'air pulsé qui font du froid en hiver, du chaud en été, et des toits végétaux qui génèrent, mais honnêtement, dans 100% des cas que j'ai vus, les toits végétaux génèrent des infiltrations en médiathèque. En plus de ça, on se retrouve avec des situations ubuesques où, en fait, on dit il y a la garantie décennale, donc on va se retourner contre l'architecte et les sociétés. Et ils disent « Ah oui, mais non, vous n'avez pas entretenu le toit végétal. » Alors on dit « Mais c'était à qui de l'entretenir ?» Alors les bâtiments disent « C'est l'espace vert dit « C'est les bâtiments. » Et en fait, on se retrouve avec des trucs. Et sincèrement, hein, 100% des cas des choses, on dit « Oui, on va mettre un toit végétal, c'est cool, etc. » Ça générait des infiltrations, dans le pire des cas, avant même l'ouverture de la médiathèque. Donc voilà, je me disais, on peut revenir aussi à du prosaïque et aussi à du sustainable, c'est-à-dire la belle idée du début, c'est bien, mais si derrière, ce n'est pas suivi, ben, c'est un affichage. Pour le coup, c'est très marketing, mais ça n'aura rien amené. Voilà. Oui, je ne sais pas si quelqu'un veut. Tu vois. Je crois que ça s'appelle le greenwashing. Et je suis tout à fait compatissant parce que les 10 ans que j'ai dirigé une bibliothèque, c'était dans un bâtiment de Jean Nouvel. Et je passe les détails, sinon, c'est enregistré. Monique Calignon de la Bibliothèque nationale de France. Alors, je ne voulais pas forcément parler du bâtiment, mais j'en dis quand même un mot pour te faire signe. C'est vrai que je me demande si, quand on a construit Tolbiac, l'expression développement durable était déjà apparue, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon, c'est une question un peu malicieuse, mais c'est à cause de ma voisine Martine qui est encore plus malicieuse. C'est pour Monsieur Tobelam. Ça m'intrigue, en fait. Je me demande si c'est un problème de durabilité. Enfin, vous voyez, c'est un peu pour rire, mais c'est sérieux malgré tout. La ligne 4 du grand tableau, il y avait 27 lignes qui étaient lisibles. C'était sur les retraites des bibliothécaires. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à la durabilité ? C'est-à-dire, je vois pas le rapport avec le développement durable, ou alors ça m'inquiète. Non, c'est parce que non, je dois être, encore une fois, c'est gentil de m'avoir invité et merci aux organisateurs, mais la recherche ne portait pas sur les bibliothèques au regard du développement durable. C'était les bibliothèques en 2030, c'est une étude de prospective dans laquelle on teste un grand nombre de tendances.
de toute nature, économique, sociale, politique, tout ce que vous voulez. Et effectivement, on pose à nos interlocuteurs la question quid du remplacement des générations. C'est dans ce sens-là que la question... Je ne sais pas, mais si je prends un domaine que je connais un peu mieux, que celui des musées, moi je suis inquiet parce qu'il y a des cohortes qui vont peut-être pas être remplacées ou pas de la même façon. Donc il peut y avoir un étiolement du corps des conservateurs. Bon, ça c'est comme ça. Donc les associations professionnelles ont attiré l'attention. Donc voilà, c'était le sens. Il y avait une autre question ou c'était... Non. Et puis pour les architectes, moi je suis très partisan de taper aussi sur les architectes. Comme ça, mais parce que j'aime énormément l'architecture, mais quand même, chacun prend ses responsabilités. Vous choisissez un architecte, vous regardez sa réputation, vous savez que tout ce qu'il a construit n'a pas forcément donné toute satisfaction au maître d'ouvrage, et ben vous ne le sélectionnez pas. C'est tout. On ne va pas dire ensuite, ah ben moi, ce n'est pas de ma faute, j'ai choisi cet architecte et il m'a fait quelque chose qui ne me convient pas. Je suis navré de le dire de façon un peu brutale, mais c'est ça la réalité des choses. C'est le citoyen qui est aux commandes et qui paye un architecte pour faire ce que lui souhaite. Et donc, s'il y a des vedettes incontrôlables, eh ben, elles vont construire à l'étranger. Bonjour. J'ai une question. Anne-Marie Vaillant, Ville de Paris. Vous m'avez entendu hurler tout à l'heure. Moi, je vais défendre les architectes, pas tous, mais certains. J'ai deux exemples en tête de construction ou de projets de construction qui intègrent le développement durable dans leurs objectifs. Je pense à la citadelle d'Amiens qui a été restructurée en pôle universitaire. C'est le cabinet de Razzo Piano, c'est Paul Vincent qui a vraiment ses objectifs en tête et c'est vraiment son truc à lui. Il était à l'ENSAL de Lyon, je crois, ou à l'INSERV. Et à Paris, nous avons une médiathèque qui va s'ouvrir peut-être en 2024. En tout cas, qui intègre vraiment les objectifs du développement durable. C'est la médiathèque James Baldwin dans le 19e arrondissement. 2023, pardon, il y a ma chef devant moi. et qui intègre la réutilisation, c'est une réhabilitation de site avec la réutilisation des matériaux. Et il n'y aura pas d'air pulsé. Ça sera du bâtiment intelligent. Donc les architectes y réfléchissent aussi. Et oui, c'est à nous de choisir les bons architectes. Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose aussi qui n'est pas tout à fait de mon rayon, c'est que oui, il faut une maîtrise d'ouvrage très forte. Bon, voilà, donc si elle n'est pas là, ben, c'est comme ça. Et deux, il faut, ce qui paraît évident, mais qui n'est pas toujours le cas, et j'ai quelques exemples en tête, il faut une programmation qui fasse... qu'elle doit être appliquée par les architectes. Ils sont tenus par les études de programmation en amont, mais il est vrai, moi j'ai des exemples où effectivement les études de programmation sont très faibles ou inexistantes, et à ce moment-là, la nature ayant horreur du vide, il est normal que les architectes prennent leurs aises, mais ça veut dire qu'il y a un défaut en amont. Voilà, donc d'accord pour taper sur les architectes, mais jusqu'à un certain point. Bonjour, Valérie Mantoux, Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Je voulais rebondir sur la question des collections, pas tellement pour les livres, mais pour tout ce qui est numérique. L'inflation du numérique, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, la numérisation, les passages au cloud, etc. Tout ça a un impact écologique énorme, absolument énorme. Et ça, c'est directement nos responsabilités, je crois. Et c'est une tendance qu'on est en train de suivre et qu'on est encore en train de suivre pour l'instant, mais je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question de savoir quand est-ce qu'on arrête, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une question qui commence à émerger, qui commence à être réfléchie. Je sais que l'AFNOR va organiser quelque chose au mois de novembre sur ces sujets-là. C'est aussi quelque chose de transverse, nous, qu'on pourrait se poser comme question au ministère de la Culture, puisque ça concerne aussi la numérisation des œuvres des musées, la numérisation aussi des autres des établissements qui sont en charge du dépôt légal. Enfin, voilà,
C'est vraiment transverse. Et donc, je n'ai pas de réponse à apporter, mais je suis entièrement d'accord que c'est un enjeu dont il faut se saisir, dont il faut se doter d'outils qui permettent d'évaluer précisément le coût. Et il faut voir, enfin, il faut faire le lien entre, en tout cas, ce qui relève des missions de préservation, de ce qui relève des missions d'accès, parce qu'on mise beaucoup sur le numérique aussi, parce que ça permet une certaine accessibilité et ça permet le déploiement de nombreux services. Donc, il faut vraiment essayer d'objectiver tout ça. Et je suis d'accord que c'est une question qui, pour le moment, est encore insuffisamment traitée, à ma connaissance. Après, si quelqu'un veut préciser les choses. Alors moi j'ai des bâtiments, ils sont bêtes, ils sont pas intelligents les miens, et c'est vrai que du coup je me sens impuissante parce que j'ai une vieille chaudière qui consomme énormément, je vais changer la centrale de traitement d'air pour le patrimoine, et donc c'est des investissements qui me dépassent, qui se feront peut-être un jour, mais tant qu'ils ne sont pas faits finalement je me dis que mon rôle est minime, je peux effectivement... Alors j'ai bonne conscience parce que j'ai pas de budget pour la RFID, donc voilà, de ce côté-là, je pollue pas trop. Je peux installer des abeilles sur les toits, quoique entre-temps on m'a dit que les abeilles à miel n'étaient pas forcément les plus pollinisatrices et que c'était pas forcément une bonne idée parce que ça pouvait se faire au détriment d'autres espèces d'abeilles. Mais... En fait, bon, je dis ça sous forme de boutade, mais c'est vrai que ma question initiale, elle est, c'est vrai que quand on construit des bâtiments, on fait attention à cette question énergétique, mais quand on est avec des bâtiments anciens, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, c'est compliqué. Alors, je réponds aussi parce que il y a des financements qui existent pour la rénovation de bâtiments existants. Par contre, ça nécessite, ça implique nécessairement une volonté de votre collectivité territoriale. Ça, c'est vrai qu'on pourra. Voilà, c'est vraiment la seule réponse que je peux vous faire. Il y a des aides. Il y a aussi, pas seulement du côté des bibliothèques, il y a aussi du côté de la rénovation énergétique. Il y a des choses qui existent. Mais voilà, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière. Et peut-être faire le lien, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui vont dans le même sens. C'est aussi en lien avec les compétences qu'on a, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête. Notamment pour les... Pour les bâtiments, on parlait d'autres qualités environnementales. Est-ce qu'on ne peut pas non plus attendre des bibliothécaires qui soient des experts et qui puissent voir en regardant le programme ou en regardant les propositions de l'architecte, qui sachent exactement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et encore, excusez-moi d'utiliser ce mot bien ou pas bien, parce que c'est vrai que c'est très... tout ça est en construction. Je sais que... L'ENSIB a lancé un cycle de réflexion sur les nouvelles compétences pour mettre en œuvre la responsabilité sociale et environnementale. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder de ce côté-là ce qu'il en sort. Et c'est aussi une discussion qu'on peut avoir collectivement dans ces enceintes. C'est voilà, où commence et où s'arrête notre rôle, notamment sur ces questions bâtimentaires qui sont très complexes et pour lesquelles je pense qu'il y a encore des réflexions en cours. Comme le temps presse, je voulais laisser une dernière fois faire un dernier tour de table un petit peu pour demander à nos intervenants quel prochain développement ils voyaient à leurs travaux et peut-être en lien avec les questions qui ont été posées pour essayer de s'ouvrir un peu vers l'avenir et de donner des idées à l'ABF pour les prochaines années. Non, madame. Allez-y, madame. Merci. Eh bien moi, je voulais rebondir un peu aussi justement sur cette question et peut-être dire que on sent quand même qu'il y a au niveau du politique, je trouve une prise de conscience, ou même si c'est peut-être pas une prise de conscience, peut-être que c'est aussi tendance. Et donc de fait, il y a des politiques publiques au niveau local qui sont en train d'être développées. Et justement, peut-être moi, dans les perspectives, ça va être celle-ci, c'est pouvoir plus s'appuyer en fait sur les autres politiques publiques départementales qui sont en train d'être développées. Au niveau du département, le développement durable pour le nouveau mandat fait partie en fait des objectifs vraiment visés par ce nouveau mandat. Il y a une création de poste de directeur de transition écologique, joli parce que j'ai retenu le nom mobilité et aménagement. Il y a aussi le département engagé dans un plan alimentaire territorial avec la chambre de commerce. Et donc là aussi, ils vont bien sûr soutenir en fait l'agroalimentaire.
connaître tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, mais aussi avoir des actions de sensibilisation auprès des publics. Qu'est-ce que bien manger? Qu'est-ce que manger en circuit court? Et donc, je pense que, voilà, pour moi, peut-être notre nouvel élan aussi, ou évolution, c'est de s'appuyer aussi sur, voilà, sur d'autres politiques plus transversales et comment eh bien, on travaille ensemble et non pas de manière isolée. Merci. Ben, en tant qu'observateur extérieur, moi j'aurais une, je ne sais pas comment l'appeler, une suggestion, mais bon, modeste, pour dire que les solutions ne se trouvent pas à l'échelle individuelle, même à l'échelle d'une profession individuellement. Donc il peut y avoir trois échelles à mon avis. Il y a l'échelle des professions qui sont connexes. Bibliothèque, archives, documentation, voilà, donc je pense qu'il y a une coordination qui existe, mais voilà, enfin, de l'extérieur, ça paraît surprenant que ces trois ensembles ne parlent pas d'une seule voix. Deuxièmement, il y a l'échelle du monde culturel. Aucun secteur ou quasiment ne pèse suffisamment, que ce soit le spectacle vivant, le patrimoine ou ce monde-là de l'écrit, on va dire. Encore que, bon, évidemment, le spectacle vivant, c'est des personnes, donc elles se font entendre, elles manifestent et elles protestent. Bon, les vieilles pierres, elles bougent pas. Mais au fond, en tant qu'observateur extérieur, j'observe que ce sont les mêmes oralités problématiques. Alors, il y a des tensions entre les secteurs, mais quand on regarde les points communs, il y aurait évidemment un très grand intérêt à créer des alliances. Et enfin, voilà, je sors de mon rôle parce que c'est la fin de la table ronde. Du coup, ben, je pense qu'il y a un troisième ordre de coalition, qui est une coalition qui unit en fait des gens qui partagent ultimement aussi des mêmes enjeux, des mêmes intérêts. Donc c'est la culture, c'est la recherche, c'est l'éducation et éventuellement élargie à la santé. Voilà, donc tant que chacun des acteurs essaiera d'avancer ses pions individuellement, ben, il ne se passera rien. Voilà, donc je vous laisse sur ce message à la fois pessimiste et optimiste, puisqu'on comprend qu'à l'inverse, s'il y a rassemblement des énergies, eh bien, on commence à peser, parce que ces différents secteurs, eux, dans la société, ils pèsent significativement. Voilà. Alors, vous posez la question concernant ce que moi, je pense, enfin, ce qui m'intéresse, où je vais avec mes propres réflexions. Alors, je répondrai deux choses. La première, moi j'aime bien, mais ça donne une question d'âge, de regarder les choses dans la durée. Et je vois une réunion, une conférence comme celle-ci, il y a 10 ou 12 ans, était impensable. C'était un sujet, désolé pour les dire, bah, notre livre, et je suis content de l'entendre qu'à l'ENSIP maintenant, il y a une réflexion sur cette question-là. Mais notre livre sur le développement durable dans les bibliothèques, on l'avait proposé aux presses de l'ENSIB, je crois qu'en 2010, et on nous a dit que ce n'était pas un sujet. Et donc on a publié chez la concurrence. Moi je me dis, aujourd'hui, c'est là, c'est le sujet. Et moi je me dis, si j'ai donc là dans 10 ans, ben, ça ne sera plus le cas. Je regarderai ça de très loin peut-être. Mais dans 10 ans, peut-être il n'y aura plus ces réunions-là, parce que ça serait ce que disent les gens du marketing, the new normal. C'est-à-dire que bah, tout le monde est là-dedans, de toute manière, que ce soit avec des beaux bâtiments, avec des vieux bâtiments rafistolés, qu'importe. Mais ce serait un sujet qui serait tout à fait normal, comme il y a 20 ans, donc on commençait à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passait au niveau du web, que ça devait être interactif et tout ça. Bah, plus personne ne parle du web 2 parce que bah, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des conférences là-dessus. Et donc je me dis, si j'aurais une chose à dire sur le développement durable en 10 ans, à mon avis, bah, tout le monde le fait. Peut-être on appellera même plus ça comme ça, ça sera dans le fonctionnement normal. Ce qui m'intéresse personnellement pour le développement des bibliothèques, et je dis, j'enseigne et je m'intéresse au développement
et au marketing des bibliothèques. Ça, oui, mais il y a un sujet depuis des années que je suis de près avec des collègues, dont un, je crois qu'il est intervenu aussi, Poissonneau, je crois qu'il était là. Hein, voilà, dommage qu'il ne soit pas dans la salle, c'est un bon copain. Et on a discuté il y a des années déjà sur un domaine, mais ce n'est pas un scénario pour toutes les bibliothèques. C'est un scénario pour certaines bibliothèques, et ça va vous intéresser avec vos puces. C'est les smart libraries. C'est-à-dire, non, pas comme ça. C'est des smart libraries, c'est que des bibliothèques qui se situent dans un environnement, dans certaines villes, qui mènent une politique d'urbanisme des smart cities. Et c'est un ensemble, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est un ensemble d'actions écologiques, politiques et technologiques. Et c'est cet ensemble-là que je trouve intéressant. Donc, on a une réflexion comme ça entre collègues, donc de plusieurs domaines. Et puis, j'ai commencé à enseigner aussi. Ben là, je reviens d'un séjour Erasmus en Allemagne, donc où j'ai travaillé avec des étudiants au niveau licence sur ce concept-là. Ben, ils adorent ça, c'est des futurs bibliothécaires en Allemagne, donc c'est un concept, ben, ça, à mon avis, développement durable, pour eux, ça dit, bof, de toute manière, ben, voilà quoi. Mais smart library, ça, c'est quelque chose, c'est un concept porteur. J'ai entendu parler d'une bibliothèque, merci. Donc, on a pris contact avec cette bibliothèque à Paris, qui apparemment se positionne dans le cadre de leur projet de développement sur ce créneau-là. Ça, bah, je trouve que c'est intéressant. Cet ensemble politique, technologique et écologique, et de ce qui est une réalité, intégré dans une collectivité urbaine plus large, avec tout ce que ça veut dire, le connectedness, etc. Voilà. Je ne dis pas que ça soit nécessairement un bon développement, parce que qui dit smart dit aussi risque par rapport aux données personnelles, surveillance et tout ça. Bah, ça, c'est sûr. Mais s'il y a quelque chose qui m'intéresse pour le développement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à nos intervenants. Merci à l'ABF pour l'organisation. On aime les architectes. Et bon courage. Merci beaucoup. On va juste faire un petit mot de clôture rapide avec mes collègues du bureau. On en a perdu deux au passage, mais... ils étaient... Et puis une collègue des Hauts-de-France. Donc je laisse d'abord la parole à Eleonora qui fait une transition parfaite avec cette table ronde pour annoncer une nouvelle du côté de l'ABF. Tout à fait. Merci pour les perspectives aux intervenants. C'était l'occasion de vous annoncer enfin la création d'une commission bibliothèque verte à l'ABF. Voilà. Elle avait été annoncée, reportée, compliquée pour un démarrage. On remercie d'ailleurs au passage les personnes qui s'étaient plusieurs fois proposées et qui ont suivi le démarrage de cette commission qui va enfin pouvoir commencer ses travaux. Ça va être cette année la commission la plus nombreuse de l'ABF. On est au-delà des 15 personnes. N'hésitez pas à suivre sur le site et sur les réseaux sociaux de l'ABF les contacts vont être diffusés dans pas très longtemps. L'outillage pour cette commission est en train d'être mis en place. Et un des premiers objectifs pour cette commission, on va commencer modeste et on a évoqué pas mal de choses aujourd'hui, mais on a plusieurs, plusieurs perspectives. La première, ce serait de faire un répertoire des actions que font déjà les bibliothèques françaises aujourd'hui sur tous ces aspects qu'on vient d'évoquer. Donc n'hésitez pas soit à contacter l'ABF pour participer si vous avez envie de donner du temps, soit envoyer des documents, des ressources, soit répondre au futur appel à contribution de cette commission. Elle s'appelle Bibliothèque Verte au pluriel et on remercie d'avance les collègues qui s'investiront là-dedans.
Et puis un petit mot de clôture, parce que voici venue la fin, presque, sauf pour ceux qui font encore les visites après et puis demain. Voilà, c'était définitivement le congrès des retrouvailles. En tout cas, on a tous pris plaisir, je pense, à se revoir. Alors, les bibliothèques sont indispensables, je ne sais pas, mais je crois que nous, on est indispensables les uns aux autres, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai revu plein de gens indispensables à moi. Merci à tout le monde. 550 participants sur les 3 jours. Ce qui est, ben voilà, nous, on est très contents de ce nombre de participants pour un congrès de reprise après épidémie et dans des contextes, on le sait, pour les collectivités un petit peu tendues. À la fois sur les prises en charge et sur les autorisations d'absence. Donc voilà, nous, on est très contents. Merci beaucoup au groupe régional de Lauriane, le groupe Lorraine de Lauriane, hein, pour le formidable programme d'animation, la prise en charge et l'accueil. Ils nous ont vraiment super bien accueillis. Et voilà. Et l'occasion également de vous révéler où on se retrouve l'année prochaine, mais je sais que le bruit a déjà beaucoup couru sur le congrès, donc ce ne sera pas une surprise. Nous irons enfin, après 3 ans, à Dunkerque. Ce sera du 8 au 10 juin. Nous serons accueillis à Dunkerque, raison pour laquelle ma collègue Laurence des Hauts-de-France est ici pour vous dire 2 mots et vous faire déjà rêver de manière à ce que vous bloquiez votre agenda dès maintenant. Alors fermez les yeux et écoutez le bruit des vagues. Imaginez une brise et voilà, vous êtes à Dunkerque. Donc Dunkerque, station balnéaire, où il fait quelques degrés de moins qu'à Nice. Mais en juin, je pense qu'on aura un petit peu de chance d'avoir des températures plus que positives, donc ça ira. Et Dunkerque, terre de beaucoup de richesses. Et je vous invite du coup à venir les découvrir, hein, autant l'architecture que la culture. Et je peux vous dire qu'on va vous concocter un programme aux petits oignons. Et puis plein de fantaisie, parce que pour ceux qui étaient là hier soir, à la soirée, je pense que vous savez que... On sait faire la fête dans les Hauts-de-France. Ah, voilà. Donc, on vous attend. Et puis, avant le 8 juin, vous allez tout au long de l'année recevoir des petits teasers de ce qu'on vous prépare, des petites surprises pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, j'appelle toutes les équipes qui ont perdu au blind test hier soir de venir prendre leur revanche sur les biloutes. On vous attend de pied ferme. On vous prépare des blind tests aux petits oignons en façon carnaval de Dunkerque, bien sûr. Merci, à l'année prochaine. Merci. Et en termes d'architecture, on peut quand même parler de la Bible que vous avez certainement vu en photo et peut-être pas forcément eu le temps de voir en vrai, mais qui vaut le coup d'œil. C'est un exemple quand même de beau bâtiment rénové. Il faut venir le voir. Bon, en tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup. Nous, c'était notre premier congrès en tant que nouveau bureau. On est fatigués, mais heureux. Merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi. À bientôt.